Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Themesia. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, j'avais deux emplacements, une ici avec une porte que je viens d'ouvrir. J'ai besoin d'avoir... Toi, on va te tuer tout de suite. Alors on va, d'accord. Parce que donc j'avais récupéré la dernière fois un feu. Mais je pouvais pas l'ouvrir, voilà, la porte était là. Et ça y est, c'est fait, ok. Et ici j'ai une autre zone de ce côté là. Toi. Oh, toi t'es méchant toi. Élite là, ça fait du bien. J'ai une porte ici. Enfin, j'ai une échelle ici. Cérémonie de sélection des troupes. L'événement se déroulera sur la place de la forteresse. Seuls les jeunes sujets sont non affectés et seront acceptés. Le processus d'injection sera réalisé par un chercheur désigné par la serre. Ceux qui ressentiront un gène durant le processus d'injection seront ramenés à la serre par les chercheurs pour subir un examen approfondi et recevoir un traitement approprié. Après l'injection, les gardes du roi, les gardes royaux et les chevaliers de sang pur, c'est les gardes du roi et les gardes royaux, d'accord, procéderont à leur sélection selon la procédure habituelle. Voilà, blablabla. Ça m'a tout troublé cette histoire de garde du roi et de garde royaux. Et là, j'arrive ici. C'était la zone où j'avais bugué. Très bien. Cette fois-ci on grimpe, je peux ressauter de nouveau ici, je sais pas ce qu'il y a là. Ok, donc on va sauter là. J'ai l'impression de connaître cette zone, ça se trouve j'ai fait un tour pour rien en fait. Pète des trucs exprès histoire de me dire tiens, quand je reviendrai je les reconnaîtrai. Ah oui, je suis de nouveau là en fait. J'ai fait un tour pour rien. Et s'il faut que je retourne, ouais, ici il faut que je retourne par ici, ensuite par là. Dans cette zone, je crois bien qu'il y avait l'endroit où je voulais aller. Ah, toi là-bas, là, t'es pas mort toi. On va essayer de...
quand on arrive, qu'on est prêt, c'est quand même un peu plus simple. Et c'est vrai que cette attaque là, elle est ultra puissante. Hein. Voilà où je voulais aller. Concentration, je vais juste retourner là. Cette zone change un petit peu, hein. Ça nous montre bien où le boss va intervenir. Là j'ai une porte. À chaque fois qu'il rentre d'une expédition, il rapporte un souvenir. La plupart des gens rapportent des pierres ou des feuilles, mais lui ramasse des flèches cassées et des boucliers craquelés du champ de bataille. Un jour, il m'a confié que si les cadavres n'étaient pas tous incinérés, il couperait une partie du corps d'un monstre pour le rapporter à la maison. C'est un grand malade. Il faut envoyer ces gens en hôpital psychiatrique. Ok, bon moi je crois que selon mes souvenirs là, ouais, on se rapproche. On se rapproche tellement, je crois qu'il est là. On va aller au bout là-bas. Bon, j'ai 3000 points. Il n'y a rien là, d'accord. Alors le boss qui va intervenir là, qui va arriver... Il est pas simple, hein. Il m'a déboîté un paquet de fois. Je vais essayer d'utiliser ça, j'espère peut-être arriver. Ah non, c'est quoi ça? Le parrainé s'est dit... Ah ouais non, j'ai fait une bêtise là. Oh, une bêtise de plus. Oui donc il est pas simple, on va le tester, on va essayer ça ensemble. On va prendre une petite tôle, hein. Et puis peut-être que j'y reviendrai un peu plus tard, ou alors bon, peut-être que je serai agréablement surpris. Ça me surprendrait d'être agréablement surpris. Allez, on va essayer ça. Ah oui, je peux booster la potion. Est-ce que des potions rapides? Alors c'est dommage qu'on puisse pas et se rajouter une potion rapide et une potion supplémentaire. Je booste les potions rapides parce que lui là il nous laisse vraiment peu de temps et je me dis que ça peut être intéressant. Bon allez, on va se faire dépouiller et vous allez pouvoir voir le boss. Il est là, il nous attend, c'est le premier boss qu'on a eu qui nous a carrément claqué, hein, la première fois. On va voir si cette fois-ci il sera plus faisable ou non. C'est parti. Ça, déjà. Oh là là. Putain, là. Yeah!
J'aurais pas dû faire ça. Et ouais, parce qu'il continue à me faire mal en fait. Hein. Ouh. Bon bah écoutez, on va essayer de se concentrer et puis on va essayer de l'avoir. Hein. Petit coup de flip là. Je croyais qu'il était passé, ouais, j'étais tout fier. Allez, c'est reparti. En deux coups en fait, hein. En deux coups il vous tue, et c'est un peu le souci de ce boss. Bon bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo ici, on va s'arrêter là et je vais essayer de le faire tranquillement à la détente. Alors je vous dis à bientôt, mais je pense que je mettrai la vidéo du boss après celle-ci directement. Allez, je vous dis au revoir.
il est mort. Bon bah écoutez, j'aurais fait qu'un seul test supplémentaire après avoir coupé la première vidéo. Je vais pouvoir mettre ces vidéos donc juste après. Bah écoutez, je suis très très heureux de l'avoir tombé. Il allait tomber, hein. Les attaques font très mal. Je suis à un autre niveau que je l'étais quand j'ai fait directement le jeu. C'est vrai que c'est intéressant de faire quand même les quêtes secondaires. On arrive un peu plus solide, même si vous l'avez vu, hein, en très peu de temps il vous déboîte, hein, il fait très mal le cochon. On peut pas passer par là. Je vais aller voir derrière, je peux pas. Allez. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais, on va revenir tranquillement et aller se reposer. On l'a bien mérité. Eh bien écoutez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vais vous dire à bientôt. Corvus, vous avez travaillé si dur, ces souvenirs devraient suffire. Nous avons pas assez d'informations pour découvrir la formule que vous avez utilisée dans la réponse d'Hermès. Voulez-vous plonger dans votre ultime souvenir? Non, pas pour le moment, on va se reposer un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a encore un boss et puis peut-être la fin du jeu. Hein. Allez, je vous laisse.